C'est sûr, je vous dis. Attends, faut que j'aille le voir de plus près. Attends, faut que j'aille le voir de plus près. Mais m'oriente pas, c'est un parking. Ah non, c'est un garage de réparation ici. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des folles aventures de Jackie et Michel. Vous avez déjà entendu Michel, puisqu'il raconte toujours sa vie pendant que je lance, hein. Forcément. Fais pas peur comme ça, toi. Préviens même pas. En même temps, vous prévenez pas, monsieur. Jackie fait ses coups en douce. Ah, moi je préviens jamais. Comme ça, il voit, il commentait. Donc. Ah, c'est pas les Légumane, c'est un extraterrestre en fait. Bah oui, on est à Roswell. Écoute. Ouais, non, mais je viens tilter. Quoi, ça aurait pu être Légumane, super-héros de potager. Ah oui, ok, je comprends pourquoi il a dit on oriente. D'accord, parce qu'en fait, je suis dans un contresens. Il faut que je monte. Allez tout droit. Comment ça, 6%? Comment ça, accident? Oh là là! Comment ça, dégâts? Oh, Michel! 8% de dégâts! Il fait déjà des conneries. On vient à peine de lancer? Grave! Il n'y avait pas de voiture, j'ai regardé à droite. Le mec, en même temps, il va te faire des demi-tours. Je vais aller réparer. Allez, attends, j'étais droit. Juste à côté. Tant pis. Non mais explique-moi comment j'ai pu faire de dégâts, c'était un sens unique le truc. Il y avait personne sur la gauche. Il y a pas quelqu'un qui pouvait arriver de la droite. Donc dans le cadre de je fais découvrir des choses à Michel. Oui, tu veux m'emmener à Tucson. Je vais l'emmener à Tucson aujourd'hui parce que je vais lui faire découvrir quelque chose. Bon bah voilà, ça m'a déjà coûté 1350$. Alors que on commence fort en ce moment. Tenez la droite, puis tournez à droite. Non, c'est pas là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bon, ne me dis pas de tourner à droite si c'est pas le bon droite, Jacqueline. Tournez à droite. Ah ouais, non mais... Ah, mais en plus, c'était plus rapide par là. Pourquoi il voulait me faire faire tout le tour, lui? Mon con. Bon, je regarde encore une fois. Il n'y a pas de voiture. M'invente pas une voiture pour me faire faire des accidents, le jeu. Bon, je vais chercher la remorque. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, elle est tout droit. Ah oui, d'accord, c'est un stop. J'allais dire, je vais me faire écraser. Ah, écraser. Je vais me faire emboutir. Je vais me faire écraser. C'est moi qui conduis. Je suis pas un piéton. C'est toi qui écrases les gens. Ouais, c'est toi qui écrases les poussettes. Hein. Je me rappelle. Hein. J'ai pas oublié. Attends, faut que je me remette dans la concentration du joueur qui simule. Donc, simule le camtar. Normalement, si je dis pas de bêtises, on transporte de la farine. De la farine. Ouais, voilà. On est en train de me dire qu'on passe déjà la côte dans un autre état. Attends, moi, sur le bordereau, c'est écrit farine. Après. Ah merde, il faut que je rajoute. Quelle heure il est là, dans le jeu? Il ouais, est 9h du matin. Ah, 9h. Non, mais c'est pour après. Faut que j'allume, j'ai oublié, à chaque fois il faut rallumer les feux de toit. Je sais pas pourquoi ça les enlève, c'est chiant ça, que ça les laisse pas automatiquement. Alors, la dernière fois, en fait j'ai été un peu malade, et donc j'ai pas fait mes devoirs comme j'aurais dû. Mais il fait jamais ses devoirs comme donc il aurait j'ai dû. Donc j'ai pris le truc à lui faire découvrir le plus simple. Hein. Je me suis pas fait chier. Ouais, il avait dit ouais, Michel, je vais te faire découvrir les États-Unis d'Amérique. Les coins florilèges de cette nation grandiose. Ouais, mais déjà, des fois, je veux prendre des missions pour aller dans la ville en question. Il y a Monsieur Bitters. Et il n'y a pas de mission. Donc c'est pas normal parce que normalement, je suis sûr que. Il n'y a pas des offres de traction. T'as regardé dans les deux. J'ai regardé les deux. Normalement, il devrait y avoir. Normalement, ouais. Mais bon, dans la vie, le normalement, merde, la remorque, elle est de quel côté? Ah, c'est toi. J'avais vu c'était laquelle des deux. Ah non, attends, elle brille pas celle-là.
Je dis des conneries, attends, c'est laquelle? Normalement, il y a une flèche qui est au-dessus de la remorque qui te dit c'est celle-là. Ouais, c'est carrément pas la bonne que je dis, je me disais bien. Oh là là. Allez à droite. Ah, attends, je vais me mettre derrière toi, je vais faire une petite marche arrière. Ah, il y avait trois remorques, j'avoue. Ah, en même temps, c'est celle qui est derrière le muret. Oh, le Michel, dans la vraie vie, ce serait le genre de mec qui arrive avec son camion, il prend une remorque et le mec il dit eh, qu'est-ce que tu fais? C'est pas celle-là. Je sais pas, bon, on me dit prends une remorque, je prends une remorque. Désolé, oh, j'ai encore des restes de maladie. Ah bah t'inquiète pas, je suis pareil. Donc t'inquiète pas, moi aussi je vais me racler un petit peu la gorge, c'est possible. Ah, parce que en fait j'avais un rhume. J'ai un bon gros rhume et un autre truc, mais je sais pas quoi puisque j'ai pas été chez le médecin, j'ai pris des médicaments au hasard. Mais il fait de l'automédicamentation. Ah bah si, attends. Non. Je dis, ah si, c'est resté allumé cette fois-ci. Et pourquoi maintenant c'est resté couché alors que la dernière fois c'est pas resté? Va faire dodo toi, je joue. Oui. Vous voyez comment il envoie son gosse au lit? C'est comme ça qu'il est avec les enfants, Butters. Monsieur Butters, il lui dit non, va faire la sieste pendant 3 heures, là, papa il travaille. Bah, attends, c'est bon. Tournez à droite. C'est comme ça qu'il traite les gosses. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Mais il vient toujours me demander des trucs. Quoi? Bah, il veut jouer au blé lobile avec toi. Merde. Ah merde, j'ai niqué le panneau stop. Il n'y aura plus de panneau stop. Pourquoi tu peux pas tourner? Bah, attends. Pourquoi tu veux tourner sur ce... T'es pas au bon endroit. Ouais, je recule, il va m'emboutir mon beau camion. Roi des forêts. Voilà. Je sais pas, j'ai regardé un truc. J'ai pas regardé le bon endroit sur le GPS. Préparez-vous à tourner à gauche. Bah, je vois ça. Hein. Oh, ça va toucher. Tournez. Oh, ça touche gauche, pas. Puis tourner magnifique. À droite. Comment ça tourner à gauche puis tourner à droite? Bah oui, tourner à gauche puis tourner à droite. Mais après, il faudra retourner à droite. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Ça suit derrière? Bah oui, ça suit, monsieur. Oula! J'ai pris trop serré le virage. Ah merde, c'est à gauche. Mais je suis au feu, moi. Mais au feu, c'est à droite, pas à gauche. Allez tout droit. Ah merde, oui, j'ai failli mettre à gauche, moi. Pourquoi j'étais parti pour aller à gauche? J'ai lu la map de travers. Oh là là. Ça arrive. Ah oui, il est là. Et il y avait la police derrière moi. C'est bon, il m'a considéré... Il est là, celui-ci. The Martian Man. Non, c'est pas ça? C'est pas le mec qui est dans la Ligue des Justiciers? Non. Moi, j'ai envie de dire respect qu'il y a la police pas loin. On va rester à 28, c'est bien 28. Est-ce que j'ai de l'essence? Ouais, c'est bon. T'as vérifié ton essence? Ouais, c'est bon. Bon, moi j'ai un 80-85% de réservoir, je dirais. Il se trouve que j'ai des soucis. Ah, parce que d'habitude, tu nous dis toujours on est parti et il n'y a plus d'essence. Allez tout droit. Je comprends pas, il n'y a plus d'essence. On m'a siphonné l'essence pendant que j'étais pas dans le jeu. Ça arrive, hein. Un peu trop souvent à mon goût. Parce que des fois, quand je me mets sur des parkings et je me fais siphonner, il y a des mecs qui siphonnent mon essence en même temps. Ah merde, j'avais pas vu, c'est 50 maintenant. Ouais, bah, il y a un feu rouge quand je découvre que c'est 50. Ah bah, t'es au feu rouge, c'est bon. Maintenant, il est vert. Bah, c'est pas grave. Allez, les voitures, avancez votre gros cul. Je freine pas.
Oh, ces voitures qui avancent pas. Ah, c'est de ta faute en plus. Bah non, c'est le feu rouge, c'est pas moi. Bah si, t'as pas avancé. Y a deux voitures qui sont passées derrière toi et la voiture devant moi. T'avais qu'à me doubler par la gauche. Ouais, bah j'y ai pensé. Ouais, et puis. J'aurais dû. Tu te retrouves ta gueule au feu rouge. Un feu rouge, ouais. M'en fous, je mange un bounty pour la peine. Pourquoi ils ont mis ce panneau là? Il sert à rien. Que vous, que ça sert à rien. Que... Ils mettent un panneau, attention, traversée d'animaux. Y a pas d'animaux dans le jeu. Ah, il a pas oublié les bonnes vieilles habitudes. Bah non, je suis venu quand c'est rouge. Bah je roule pas trop vite, je t'attends. Ah ouais, parce que je suis carrément loin, on vient juste passer au vert. Ouais, une route à 70. Ouais, mais après elle passe à 65. Donc Je m'en fous, c'est tellement rare que ça me fait plaisir. Et après elle descend à 60. En même temps, sur à 70, j'ai toujours pas atteint le 60. Hein. Je suis à 56, 58, ça monte. Ça y est, je suis lancé. Le bolide du Jaco est lancé. Par contre, c'est le seul. Tenez à droite, puis tournez à droite. C'est le seul truc que j'aime bien de TS2, c'est que y a pas de limitation. Tournez à droite. Bizarre, tu sais. Ouais. En ville, c'est 50. Bah, j'avoue que là, le 70, c'est toujours 65. Voilà. Que là, on change souvent de truc. C'est quoi? C'est vrai. Billy the Kid, historial. Ah, mais il va peut-être débloquer le. Tu vas peut-être débloquer le truc, non? On ne sait pas quoi qu'est-ce. Il y a un trophée où il faut passer à côté du Billy the Kid Museum, un truc comme ça. À côté ou il faut aller au panorama? Parce que je vois qu'il y a un panorama. Non, j'ai pas été au panorama, moi j'étais passé à côté, je crois. On peut aller au panorama. Oh, le mec il fait des marches arrière sans prévenir. C'est quoi, on va aller au panorama? Recalcule. Tu recalcules ce que tu veux. Oh, la voiture qui m'a rasé sa grand-mère. Tournez à gauche. Allez! Un petit panorama pour les gens du stream et de YouTube. Alors, pour l'instant, bon, on voit que mon camion. Qu'est-ce qu'ils veulent faire voir, petite plaine? Ouais, j'allais dire, le mec, il a mis son gros cul devant, ouais, surtout. Toi aussi, tu peux regarder ou... Est-ce que tu... Ah ouais, enfin, j'allais dire, est-ce que tu peux passer à travers moi, mais non, je pense pas. Non, j'ai pas envie de tenter de s'emboîter. Ouais. Non, je pense que c'est juste une aire de repos... C'est peut-être là qu'ils sont morts, je sais pas. Il est où le musée de mon cul? Je sais pas. Parce que je vois pas de bâtiment. Hein. Soi-disant, il y a un musée sur Billy the Kid. Billy the Kid Historial Exhibit, un truc comme ça. Bah, à part du sable, je vois pas ce que tu peux voir. À droite, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai vu une cabane en bois, mais je me dis, est-ce que c'est sa maison ou... Ah, peut-être. Ou est-ce que c'est là qu'il est mort? La cabane. Préparez-vous à tourner à droite. Eh ben, en bas, c'est écrit le site historique de Lincoln. Faut qu'ils se mettent d'accord, les mecs.
C'est Billy the Kid ou Lincoln ? Tournez à droite. Bah, tu savais pas ? Abraham Lincoln. Avant d'être Abraham Lincoln, c'était Billy the Kid. Et après, il a raccroché et il est devenu Abraham Lincoln. Il a repris son nom. Je vois Butters en mode slow motion. Alors, ah oui, il y a une maison. Parce que j'allais dire, à part les quatre bancs là, qu'ils ont mis, on sait pas pourquoi, pour regarder les camions passer, je vois pas l'intérêt. Si, il y a des petites maisons là-bas au loin, mais je sais pas ce que c'est, on peut pas y aller donc. Je sais pas. En tout cas, c'était ce qui était écrit sur le panneau. Et je sais pas si t'as eu un succès Steam. Bah, pour l'instant, non. Bah, alors, je sais pas. Un coup, je suis passé à côté et. Je suis passé à côté d'un endroit. Et ils m'ont dit que j'avais découvert le truc de Billy the Kid. Le musée. Le Butch Cassidy. Non, le Kid, je sais plus. Il sait même pas ce qu'il dit. Oh là là. A-t-il défoncé la voiture rouge ? Ah, carrément. 900 dollars. Sérieux ? Bah oui, c'est pas qui m'a rentré dedans en même temps. Elle aurait pu me laisser finir mon truc. Hein. J'ai une remorque. Je sortais d'un virage, ils sont bien gentils. Ils sont sympathiques, mais je fais ce que je peux. Oh, il y a la police. Heureusement, ils tournaient au truc. Ils m'auraient peut-être arrêté si ils m'avaient rentré dedans. En prime, ils m'auraient dit. C'est pas ça la maison ? Je crois qu'on passe à côté. Bah, peut-être qu'il faut passer à côté. Tu vois à droite, en haut de la colline là ? Ouais, en haut. Je vois ça, il y a la petite rambarde pour monter. On aurait pu y aller, mais c'est chaud pour faire demi-tour, je pense. Ouais, pour se garer en plus. Bah, dis-moi si t'as un succès qui se déverrouille quand tu passes à côté. Hein. Bah, pour l'instant, non. Que dis-je, j'ai envie de vous dire. C'est combien, 55 ? Bon, bah, entre les réparations et ça, je suis déjà à 2500 $. Ah non, plus l'accident, ouais, 3000 $. Bon, ça va, sur les 15 000 et quelques, j'en gagnerai quand même un petit peu. Ouais, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est vrai qu'on est venu parce que t'avais un truc à montrer. Jackie devait nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai pas dit que c'était extraordinaire, j'ai dit que c'est. On croira pas tes yeux. Non, c'est. L'Amérique profonde. Je sais pas, il veut m'emmener dans un endroit de consanguin, je crois. Là. Où... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des travaux. Je sais pas quoi, travaux. Il y a des travaux avec un feu rouge. Ah ouais, je vois ça, t'as freiné. T'es au feu rouge, toi ? Bah, au moment où je suis passé, c'est passé au vert. Ah ouais, cool. Ouais, je passe aussi, je m'en sors. Dans l'épaule gauche. C'est pas agréable ça. Bah, la nuit, pas cette nuit là, mais la nuit dernière, j'ai dû j'ai mal dormi et j'ai dû. Je sais pas, je me suis. Ah, t'as dû te provoquer un air. Ouais, un truc comme ça. Ouais, mais je t'ai dit, hein. Ça me faisait pas trop chier dans la journée. Je le sentais, mais ça me faisait pas trop chier dans la journée. Et c'est quand j'ai été me coucher, quand je me tourne et tout ça, j'ai morflé. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Ah, si c'est un nerf, il suffit que tu bouges un peu. Juste l'os ou un tissu qui frotte dessus, c'est mort. Préparez-vous. Ah, bon, c'est parti, on est parti donc. Parce qu'on a mis 4 heures juste pour aller voir une cabane. Et ça m'a coûté 3000 $ la cabane. Les gaffe, on passe à 40. À 45. Tournez à gauche. Attention, il y a un stop devant, ils disent.
Mais c'est 30 maintenant. Ah merde, c'est à gauche. Ouais. Et heureusement que le feu, il était clignotant. Parce que je l'ai vu seulement quand je suis passé. Attends, il y avait un feu? Ouais. J'ai vu juste un stop, moi, ils ont annoncé. Il était au-dessus. Il était sur un filin électrique et c'était une sorte de boule... comme dans les trucs de discothèque. Une boule à facettes? Non, pas une boule à facettes, c'était une boule à... une sorte de bloc avec des lumières. En vrai, je l'ai pas vu. Et je l'ai vu, je te dis, au dernier moment. Je sais pas, les panneaux, ça annonçait un stop, moi, j'ai vu. Ils ont dit stop, même sur la route, c'est écrit stop droit devant. Ah, il pleut! Ah ouais. Il pluviote! Ah merde! Il pluviote dans le désert. Alors, est-ce qu'il pleut beaucoup ou est-ce qu'il pleut peu? Il pleut beaucoup. Jackie, je fais attention à toi, je vais foudroyer. Bah, ce qui me fait peur, c'est pas la foudre. C'est maintenant qu'il va y avoir les distances de freinage. Ouais, comme on sait qu'on freine jamais, c'est bon. Ouais, on freine toujours à côté. Ouais, mais là, il freine pas du tout, donc... Vous freinez avant que quand tu penses normalement que voilà. Bah tu roules un peu moins vite, c'est bon. Il y a le train qui passe sur notre droite au niveau du pont. Ouh, c'est passé à 55. Ah, ouais, et même 45 même. Ouah, il y a les traînées de pluie. Ça sent le feu ou un stop, ça, non? Non. Allez tout droit. Non. Ah, en tout cas, ça ralentit devant toi, j'ai l'impression. Ah bah non, c'est juste qu'il y avait un mec qui roulait pas à 45. Ah d'accord. Ouais, donc ça ralentissait devant toi. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Oh, il y a un oiseau. Tourne à droite. Ouais, j'ai vu, j'ai tourner vu. À droite. Je sais pas ce que c'est. Peut-être. Bah, j'ai l'impression, ouais. Qui est dérangeant? La blessure à l'épaule. Hein? Ah mais comme tu te raclais la gorge en même temps, je pensais que c'était plutôt ça. Ah merde, c'est 55, j'étais à 60. Tenez la droite, puis tournez à droite. Voilà, faut ralentir. Tournez ah bah à oui, droite. On tourne à droite. On va rentrer sur l'autoroute, j'imagine, non? Ça va, ça peut-être. Ouais, peut-être pas, non. Je sais pas. J'ai pas vu. Rapide, peut-être. Putain, le mec, il s'engage comme ça, comme un fou furieux. Ouais. Putain, c'est 35. Rouge, vite. 35, oh, je suis passé à l'orange, quasiment. Ouais, j'ai vu. Bah forcément. Normalement, tu te dois de ralentir hein, quand il y a un feu rouge ou une intersection. Ah, il y a un truc sur la droite, j'ai pas vu c'était quoi. Bah j'en sais rien, je vois pas. C'est écrit sur le panneau, mais... J'ai pas vu. J'ai pas vu à cause de la pluie.
Je t'avoue que c'est bien pareil, je vais pas eu le temps de regarder. À 55. J'ai essayé de pas trop les dessus. Non. 65. Quoi, non? Bah oui. Non, j'avais dit 55. Ah, bah oui, non, on était déjà à 55 depuis un petit moment. Depuis un peu après le feu rouge. Bah quoi, faut bien qu'on avance un peu. C'est vrai. Et cette pluie qui s'arrête plus. Faudrait que je mette un peu de déco dans ce camion en vrai. Bah je oui. trouve que c'est tristouné. Ah non mais c'est tristouné. Mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas les mêmes décos que sur Euro Truck Simulator. Sur Euro Truck ils ont des sortes de guirlandes leur plat devant comment on appelle ça? Au niveau du pare-soleil. Ah du pare-soleil. En hauteur donc. Ouais, ça fait une guirlande qui fait tout le. Sympa ça. Ouais. Tu sais, quand je dis une guirlande, tu peux avoir des fanions ou des. Une sorte de truc un peu en vague, en nuage. Ouais. Oh, bon, j'ai toujours ma vaillinée. Bah moi il est dans mon Peterbilt alors faudrait que j'équipe un peu celui-ci. Ouais. J'ai pas mis de déco intérieur. Ma vaillinée qui danse. Et puis j'ai même pas de truc là où on met le sapin. J'ai mon cube. Oh là. Bah ouais bah mon ça cube fait. Il est sur le Peter. Ça freine. Bah ouais il y a un feu rouge hein. Ou je sais pas ce que je vois au loin, non c'est pas ça. Non c'est un lent. Ouais. Tenez la droite. Puis sortez à droite. Ouais non mais c'est les couteaux qui m'ont faussé. Ah, il va y avoir un feu rouge. Ça va se calmer, j'ai l'impression à droite. Comment ça défaut d'éclairage? T'as pas mis tes feux? Ils sont allumés. Bah si, il me semble qu'ils sont allumés, j'ai le truc qui s'est allumé. Tournez j'ai à gauche. Comment on appelle ça? Le tableau de bord qui est allumé. C'est bien que j'ai mis mes feux. Non, t'as peut-être mis tes premiers feux, tes feux de position, mais t'as pas mis les feux de route ou... Enfin, pas les feux de route, mais si, les feux de croisement. Bah si. Merde, fallait tourner à gauche. Je tourne à droite. Ah bon. Non, il faut tourner à droite et après tourner à gauche. Maintenant. Putain, j'espère qu'il y a personne derrière. Parce que là, je fais le fou. Non, non, je suis parti sur l'autoroute, moi. Ah merde. Avec ces conneries de... Non c'est pas ça. Ah merde. Accident. Recule qu'on me dit. Poser. Hop. On va se poser là. C'est bon j'ai rattrapé. Bon ça m'a coûté un accident mais ça on savait que ça allait arriver. Bon, faire 50 mètres en marche arrière, c'était risqué. Je me suis garé en salle, mais les flics, ils m'ont rien dit. En même temps, ils calculent pas trop ce genre de choses. Non, mais parce que sinon, j'aurais dû faire un sacré détour, je Alors, pense. Oui, Michel. Bah, je suis là, je suis revenu sur la bonne voie. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rappelle plus pourquoi j'ai pas regardé le GPS à ce moment-là. On parlait de quoi déjà? Je sais plus, j'ai oublié. Ah, le blanc. Pas de feu. Mais en même temps, pourquoi ils veulent les feux aussi? On est en pleine journée. La pluie. Mais ben justement, je les avais allumés pour la pluie, moi. Attention, te... Non! Mais il est fou, lui. Quoi? J'ai signalé que je tournais à gauche. Ouais, sauf que j'étais déjà engagé avant toi. Ah bah, il fallait ralentir. Non, j'étais sur la voie de gauche pour s'insérer déjà de base. Eh bah, fallait que tu vas sur la voie de gauche encore plus à gauche. Mais bah, c'est ce que j'étais en train de faire. Mais sauf que tu me coupais la route. Parce que j'attendais que la voiture, elle passe à gauche pour pouvoir aller sur la voie toute à gauche, moi. Ah, d'accord.
Mais il y avait une voiture, alors je pouvais pas aller dessus. Bon, d'habitude, c'est pas ça qui t'arrête, hein. Bah si, là, elle était proche. Ah, c'est bon, j'ai déjà mis 3-4 000 balles dans le trajet. Plus même, parce que je me suis tapé l'amende pour les feux, là. Fous ma gueule, en plus. Tenez la droite. Je suis sûr que j'avais mes feux. Sortez bah ouais, à mon droite. Truc, il a allumé, j'en suis sûr. Mais en même temps, j'arrive pas sur ce camion à savoir quel feu j'ai quand je suis en intérieur. On tourne à droite. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me repérer sur ce camion. De toute façon, t'as pas le choix. Bah oui. La route est coupée droit devant. Je suis sûr que les mecs, quand ils passent le truc, ils disent là où on va, on n'a pas besoin de route. Bon, allez. Faudra peut-être conduire sérieux, là. Il fait bien beau, ça me fait plaisir. Ouais, il y a grand soleil. Donc je me suis tapé une amende. Le pire, c'est qu'ils m'ont mis l'amende une fois. La pluie, il était déjà là depuis un moment, tu vois. Pourquoi, genre, à ce moment-là, ils m'ont mis l'amende? Parce qu'il n'y avait pas de flic, et c'est un flic qui t'a mis l'amende. Ouais, mais je les emmerde, moi, les poulets. Foiré, hein. Sérieux. Tu peux rien, moi. De toute façon, on ne voyait même pas la différence avec ou sans, alors je vois pas ce que ça change. Arrêtez un peu, là. Et 3h de l'après-midi, c'est bon, t'as pas autre chose à faire. Ah bah non, 3h de l'après-midi, au contraire, ils sont en plein travail. Salaud. Toujours là pour faire chier le monde. Ils font leur métier tout comme toi. Mais ils font que dalle. Ils viennent me faire chier là, c'est tout ce qu'ils ont. C'est déjà qui ont puissance. Ils se font chier, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent foutre la merde. Ils viennent déranger les honnêtes gens. Ah, je roule sur la bande d'arrêt d'urgence, ça fait vibrer ma manette. Ah bah voilà pourquoi il y avait un message sur le panneau appelé le 911. Comprends mieux. Monsieur, attentat à la pudeur. Comment ça, attentat à la pudeur? Je suis rien voir, hein. J'ai juste un truc sur mon pubis. Ça fait les chatouilles. Vous avez des guilis? Ouais. Le mec il va se faire 200 bandes sur la bande d'urgence. Le flic va dire monsieur vous roulez trop à droite hein. Ah excusez-moi c'est... Problème de frein à main. Vous chatouillez le pubis c'est ça? Allez ça passe pour cette fois. Je me rappelle qu'à la dernière session, c'est toi, t'avais fait que des conneries. Donc, ah bon, vu le démarrage, pour l'instant, c'est moi. Parce que t'en as pas encore fait une seule. Ah bah, j'ai vu comment ça a commencé. Je t'ai entendu dire, oh, j'ai déjà perdu de l'argent, j'ai déjà tapé dans l'huile. J'ai dit, oh bah, c'est bon. Pour cette session-là, on va le laisser faire. Pas tout le temps, moi. Chacun son tour, un petit peu. J'ai des mini des mini en même temps le mec il vous détourne bizarre. Ouais non mais ça arrive des fois dans certaines zones où ça charge en fait. Je te signale que la dernière fois c'est moi qui les avais eu, ça m'a coûté un accident et de pas finir une mission en plus à cause de ça. Mais épisode qui est sorti la semaine dernière en plus il me semble, que j'avais intitulé Crash Test Thaïlandais. Parce qu'on parlait du film d'horreur thaïlandais là que j'avais vu deux jours avant je crois. Et que je me suis pris. Je crois que j'avais vu le freeze et je pouvais pas redresser, ça avait été la misère. C'était peut-être un résidu de film thaïlandais.
Ouais, il y a un fantôme qui me tenait la roue. Un yokai ? Ah oui, donc je vais en profiter maintenant quand je suis un peu ouais, chier. Fais ta pub. Ouais, maintenant qu'on donc, a une grande j'avais droite. Raison. Enfin, j'avais raison. Par rapport à ce que quelqu'un avait dit sur internet la dernière fois, le prochain DLC a été annoncé et ce sera le Montana. Ah, le Montana. Ouais. Ah, mais en plus, on en a parlé. Ah, ah oui, on avait parlé de ça. Ouais, on avait parlé. Je sais plus sur quoi on avait misé. Mais il est fou, lui, il double et il ralentit à mort. Bah, le Montana, en fait. Puisque je t'avais dit, j'avais vu un mec. Enfin, j'avais eu des. Non, j'avais regardé le live. Non, j'avais eu des informations par rapport à un live des mecs de CSS, donc d'American Truck, et qu'il y avait un mec qui avait lâché une sorte d'indice, et le mec qui était là avait dit ce sera le Montana. Bah nous on avait parlé on avait parié sur les trucs de montagne, ouais. Donc voilà, on avait dit plus à droite parce que le Montana c'est où, Montana c'est celui qui est tout en haut. Ouais, ça on avait parié sur la continuité. Ouais. Ouais, mais c'est cool. On va pouvoir aller voir Anna. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu dans les Griffins. C'était en train de regarder la télé. Comme dans pas mal d'épisodes, tu sais, au début, il regarde un peu la télé et après, tu vois ce qui se passe à la télévision. Et après, ça part sur l'épisode où ils disent là, il suffit que Peter il dit un truc et puis après, ça embraye, tu sais. Ouais. Ah, je dois aller la peser. Et ils étaient en train de regarder un épisode d'Anna Montana. Et tu vois que son père est en train de lui crier dessus. Recherche d'un nouvel itinéraire. Et il dit ouais machin, je sais plus trop quoi. Et puis elle dit ouais, bah de toute façon, elle est habillée en Anna Montana. Et elle dit ouais, je suis pas ta fille, je sais pas trop quoi. Et il dit du coup. Il dit ouais, je sais plus trop quoi ce qu'il raconte, et elle dit ouais, Anna Montana c'est pas ta fille de toute façon, puisque tu vois c'est son personnage. Ah, t'avais pas la pesée à faire toi? Non. Et il dit alors comme ça t'es pas ma fille. Elle dit non, Anna, elle dit non, Anna Montana c'est pas ta fille. Et tu vois qu'il dit à un moment donné il lui dit ouais Ouais, j'ai laissé passer la première voiture parce qu'ils avaient un peu d'écart avec les autres. Et tu vois qu'il commence à déboutonner son pantalon, il dit ah comme ça t'es pas ma fille. C'est dégueulasse. Allez, tout droit. Quoi? Mais moi j'étais mort de. Et au début j'étais un peu quoi, tu vois. Et puis moi j'étais mort de rire. Je dis non, les enfoirés, ils ont mis ça. Viens la police, arrête un camion. Ah ouais, effectivement, peut-être qu'il roulait bizarrement, ou il a fait une manœuvre un peu dangereuse. Ouh, pardon. Non, parce que d'après toi, ça suffit à arrêter des gens, ça. Je suis pas sûr que c'est ce qui se passe le mieux. Nous, on nous arrête jamais, parce que quand on fait de conneries, il n'y a jamais la police. Ouais. Par contre, ça aurait été marrant qu'il t'arrête la dernière fois quand t'as fait Superman dans le désert.
Oui, ou alors c'est dans ces moments-là que t'aurais dû être là. Ça aurait été marrant qu'il t'arrête quand la dernière fois t'as loupé la sortie et t'as voulu tourner et ton camion s'est retourné. ton camion s'est couché comme une pute thaïlandaise. Pour rester sur le côté Thaïlande. Bah ouais, Thaïlande dans un fond. Tu te couches comme Maëlie. Oh bah un peu tous les jours, ouais. Avec Maëlie. Bonne baise. Si vous trouvez la référence. Non, je vois pas. Sérieux? Bah si, je vois. Ah. Je pensais que t'allais balancer. Je voulais voir si t'allais balancer à la frame. Ah bah oui. Non, t'as été plus choqué. Après, je sais que t'oublies certaines choses. J'oublie pas sur le coup. Je veux dire. Faut changer de voie. Faut changer de voie et ça freine. C'est quand il y a un avion en plein milieu. Dangereux ça. Ah merde. Je me suis pris un PV. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je crois que j'ai roulé trop vite. Devant l'avion. Comment c'est possible? Je suis passé quasi à fond, j'ai failli me prendre le camion devant. Bah j'étais encore plus à fond derrière toi. Ou alors j'ai dû toucher un peu, je sais pas. Ouais, je pense plutôt que t'as touché quelque chose. J'ai pas fait gaffe. Bah putain, alors que j'ai failli me prendre le camion devant. Mais en tout cas, la dernière fois, je me souviens qu'on avait vu l'avion de l'autre côté de la route. Oui. Tu te souviens? Et bah maintenant, on est passé à côté. Ah bah ça tombe, on était passé en face alors. Ah ouais, peut-être qu'on s'est pas vu. Peut-être qu'il y a un effet miroir. Peut-être que l'avion est toujours là. Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à dire un petit coucou dans le chat, ça fait plaisir. Bonjour. N'hésitez pas à prendre une bière et vous installer. Hein. C'est Jackie qui offre. Ah, un peu de verdure, ça fait du bien. J'en avais marre du sable. Du sable, toujours du sable, c'est déprimant. Ah, c'est l'Arizona, hein. Ouais, mais je sais pas, envie de changer. En plus, on sortait du Nouveau-Mexique. Ouais, mais c'est trop poussiéreux. On est plein les godasses. C'est l'Ouest américain, hein. Ça me gonflait, moi, perso. Ah, on arrive chez les Quakers. T'imagines une traversée de... en Australie? Tenez la droite, puis sortez à droite. Au milieu, y a rien. Ça s'appelle les convois de l'extrême. Non, hein, c'est pas les convois de l'extrême. C'est juste les mecs qui se font chier en voiture. Sortez à droite. Les mecs qui se font chier en convoi. Parce qu'il y a rien au milieu, hein, c'est que du désert. Tournez à gauche. Attention, je recule. Pourquoi? J'ai dépassé un feu le feu rouge. C'est bon. Et Bah oui, mais voilà. Avant, c'est feu vert. J'ai failli défoncer la télécommande qui était à côté de ma main. Ouais, je pense que la traversée de l'Australie en camion, ça ressemble à du Mad Max Fury Road. Ah bah au moins, ouais. Bah, ils ont tourné le film là-bas. Matrix aussi. Il y a pas assez de sable. Ça manque un peu de sable. Ah, y a un dinosaure. Allez tout droit. Où ça? Sur ta droite. Fais vue extérieure et regarde, il est sur la droite. Ah ouais, y a un diplodocus. C'est pas un diplodocus. Bien sûr que si. Mais non, c'est un... un brachiosaure. C'est le brachiosaure. Ah, tu sens le pipeau, t'as vu, t'étais pas chaud, t'étais pas sûr. Il est trop rond pour être un brachiosaure. C'est un diplodocus. Non, je reconnais, c'est le même que dans les diplodos. Mais non, c'est ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai regardé la série Jurassic World et ils ont dit « Ah, un brachiosaure !» J'ai dit « Oui, merde, c'est ça. » C'est pas ça se ressemble pas. C'est pas un diplo, c'est un brachio. Ça se ressemble un peu, mais ça se ressemble pas. Mais si, c'est le même que dans Jurassic Park 1.
Bah, dans Jurassic Park 1, c'était des diplodocus. Non, c'était un brachiosaure. Bah, celui qui nourrisse, toi, tu parles. Non, celui qui se lève sur ses pattes et que l'autre, il voit pour la première fois. Ah, au début, ouais. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit au début de Jurassic Park. Ouais, je sais plus, moi. C'est clairement le premier dino qu'on voit. Ouais, bah t'as pas précisé que c'était le premier dino qu'on voyait. Parce qu'il y a celui aussi, quand ils sont dans l'arbre, là, dans la voiture, qui tombe. Il y a aucun dinosaure dans la voiture quand ils tombent. Pas dans la voiture, mais si, après, ils éternuent. Et oui, bah ils sont pas dans une voiture, ils sont dans un arbre. Bah je viens de le dire. Non, t'as dit dans l'arbre où il y a la voiture. Ils partent de cet endroit-là, puis ils se poursuivent par le... C'est là où ils tombent avec le T-Rex. Il m'écoute même pas, le mec. Je suis en train de regarder le film en même temps que je continue. Quel vidéo. N'oublie pas de mettre tes feux. Ouais, ça y est, je les ai enfin mis. Ah, en plus, on est arrivé. Tenez la gauche, puis tournez déjà à gauche. Pas si vite. Oui, ça passe vite quand on dit de la merde, oui. Quand on conduit. Je tape. Tournez à gauche. Dans le doute, j'ai avancé de 50 cm. Et moi, je me suis recollé à toi de plus de 50 cm. Je suis tellement prêt. Qu'on peut même pas ouvrir ton. L'arrière de ton camion. Le jeu, il est tellement dégueulasse que ça me pousserait. Allez, je taperais la voiture qui est devant. Et il considérerait que c'est moi qui ai fait l'accident. Et il me ferait payer avec. Bon, je me suis pris un PV parce que j'ai passé au rouge. Oh là là, t'es ouais, je voulais pas attendre, t'es passé, je me suis dit vas-y, je le suis. Oh bah en même temps, j'attendais que la voiture devant moi, elle passe. Hein. Mais les feux rouges sont trop courts. Ça c'est vrai, des fois oui. Bah surtout en mode convoi comme ça. Ça laisse passer un camion, ça laisse passer une voiture, un camion et puis... À gauche. Non, mais attends. Oh là là, le mec il roule sur le... Il roule sur... T'as vu où tu roules? Tournez. C'est là. Hein. C'est là, t'es parti où? Derrière toi. Ah, ils ont dit tu tournes à gauche. Bah oui, moi, bah là. Chez ils disent. Hop, moi je garde plus mes camions. Ça y est, ça se rebelle maintenant. Ah, fait chier. Non, moi, c'est encore pire, moi. Y'a pas Tucson? On est obligé de mettre les points, fait chier. Ah, mettre les points de level? Ouais. Ouais, tu vois que j'ai réussi à m'en sortir. Bon, alors... Malgré la merde que j'ai foutue. Maintenant, je mets un point à Tucson. Pourquoi tu mets des points à Tucson? Parce que je dois t'emmener quelque part. Ah oui. Instructeur! Non, attends. Ouais, vas-y, trouve-nous une mission. Non. Dis-moi mission clear. Mission clear? Mission clear. Attends, oui, au lieu de faire le con, je pourrais trouver une mission, au moins ça rapporte. Bah, j'ai envie de vous dire. Ce sera un début, ouais. Bah ouais. Une mini-mission qui va jusqu'à Tucson. Bah, c'est pas ce que tu cherchais. Tant qu'à faire, ouais. Ouais, mais je me suis dit, on aurait pu y aller comme ça. Là, j'en ai une. Hop, Tucson. Si t'en as une, ça fait un peu de thune en bénéf, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça paye l'essence, j'ai envie de te dire. Et j'ai pas vu que je prenne de l'essence, là. J'ai pas vu ce qu'on transporte, mais c'est du... C'est de la pierre. Ouais, j'allais dire que c'est du... Oula. Pour 4 000 $, tu vois, bah ça me rembourse là ce que je viens de payer si je fais pas de conneries. Moins l'essence. Je vais frotter, non? Non, c'est bon. Oh, je vais rater que tu frottes. Non, j'ai pas frotté. Et tu frottes.
C'est ta façon de frotter. Tournez à gauche. C'est une chanson de frotteur, ça. On est frotteur de l'extrême. Allez, De l'extrême ou de l'espace? Je sais rien, moi, comme vous voulez. L'espace? C'est toi qui choisis. De l'extrême, voilà. Casse-couille ce Jackie. Non, de l'espace, je préfère. Alors, la sortie, c'est là. Ah, je vois Monsieur Butters. Non, c'est Jackie. Non, mais c'est écrit Monsieur Butters sur ton camion. C'est écrit Jackie. Non, c'est écrit Monsieur Butters au-dessus. Non, c'est écrit Jackie. Tenez la gauche. Tu regardes ma plaque, c'est écrit Jackie. Ouais, tu mais regardes je parle pas de la plaque, moi, la plaque monsieur. La plaque qui est sur mon tableau de bord, c'est écrit Jackie. Tournez à gauche. Oui, bah moi aussi, c'est écrit Michel, mais quand tu me vois, c'est écrit Xtarkmis. Promoteur de films porno. Bah, merde, c'était pas une station essence, c'est ça? En parlant de promoteur de films porno, j'ai regardé la série Naked Producteur. Hey, c'est quoi ça? Putain, faut que j'aille voir, tant pis pour les accidents, mais... Je sais pas si tu connais. Le nom me dit vaguement quelque chose, mais... C'est une série Netflix, c'est sur la vie d'un producteur de X au Japon. Mmh. Dans les années... c'est sa vie en fait. Quand il a commencé et comment il a et il veut révolutionner le X au Japon. Bon, je me suis fasciniqué, j'ai pas fait gaffe, c'était pas une station service. C'était un truc pour recruter. Oh là là. Oh, que ça tremble. Y'a un train? Ah, je vais venir. Non, c'est la route, elle est tellement dégueulasse que... Enfin, nous y voilà. Ouais, mais... C'est bien de me donner ma cargaison, mais... Faut me dire où aller, déjà. Non. Ah, d'accord, je passe par là. Oh là là, Michel, il va pas s'en sortir. Ça sent la douille, ton truc. Ouais, ça sent le frottage. Ça sent le frotti-frotti. En parlant de ça, t'as vu qu'il y avait une série alors je sais plus exactement ce que c'est parce que je vais encore commencer à regarder, je vais commencer ce soir une nouvelle série de zombies. Allons-y. Qui s'appelle ah merde, j'ai oublié le nom. Day of the Dead, non, un truc comme ça, je c'est crois ça. C'est ça. Ouais, ça, basé sur le film de Romero. De Romero, ouais, le premier. Alors j'ai pas trop vu ce que ça donnait, mais j'ai vu que ça, comment dire, ça avait l'air de démarrer assez rapidement, parce que dès le premier épisode, ça a l'air d'envoyer au moins vers la fin. Donc il passe pas 50 épisodes à tenir, parce qu'au début, ça a l'air d'être la vie normale. Mais ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'avoue, je suis t'es curieux. T'es dedans? Ah oui, t'es là. Ouais, je suis là. Attends, elle est où la remorque? Parce que je vois sur ta gauche. Ah putain, je m'en doute. Ah oui, je vois là, ça clignote. Enfin, putain, moi, c'était sur la gauche. Ah, je vois une flèche, mais alors, allez où? Attends, c'est pas toi celle-là? Celle qui est sur ta droite là? En face de toi? Non, ça me met là-bas, moi. D'accord, ah, putain, elle est carrément de l'autre côté. Attends, parce que je me suis mis en mode extérieur, parce qu'en fait, elle est carrément de l'autre côté. Et comme je voyais pas les barrières. L'autre côté où? Sur ta gauche là maintenant? Bah attends, t'as, je vois rien. Si c'est ça, c'est qu'elle est... Et c'était derrière en fait. Oh putain, j'ai tapé un truc, je sais même pas ce que c'est. Il y a une petite rambarde, je crois, là où tu roules. Putain, comme on voit rien. Les mecs, c'est sympa de venir nous faire chercher des remorques, mais j'ai envie de vous dire... Mais c'est des loupiottes. Ah non, ici, c'est bien éclairé, je vois bien. Ah, pas moi, pas en vue intérieure, je vois que dalle. Si, quand t'es devant, tu regardes devant toi. Oui, ouais. Oui, voilà. Mais moi, quand je rentre dans ce genre de truc, je mets toujours vue extérieure. Obligé. Il y a trop de petits détails, de petits trucs qui peut te faire baiser. Bah, excuse-moi, j'ai envie de te dire, je vois pas plus. Hein.
Par contre, tu vas faire comment pour faire demi-tour et t'accrocher? Oh putain, oui, il y a des caillasses. Bah oui, je te l'avais dit. Fallait venir à cul. Enfin, par le cul. Non. Attends, ça doit passer. Regarde. Ou pas. Ouais, si. Wow. Yippie yo, yippie yay. Attends, ça me dit qu'il y a une route là. Ah, je dois pouvoir faire demi-tour là. Qu'est-ce qui me bloque? Le tas de sable qui est sur ta gauche. Oh là là, mais je viens de passer. Comment ça peut me bloquer? Oh là là, que c'est mal foutu. Évite de monter, hein, parce que c'est comme ça qu'on se bloque. Oh, c'est plutôt le tas de sable derrière moi, j'aurais dit. Ouais, aussi. Ouais. Ah, mais ça va être compliqué, là, de faire demi-tour dans ce bordel. Oh là là. Oh là là, t'aurais dû te mettre tout droit et sortir en marche arrière. Bah, c'est ce que j'ai voulu, mais il y a un tracteur. Et après, il y a le tas de sable qui m'a bloqué. Bah là, reviens tout droit. Bah attendez, c'est ce que j'essaye. Ah oui, par contre, hésite pas avant de tourner tes roues à fond avant d'avancer. Ah bon? Parce que, ah mais c'est ce que je fais. Parce qu'elles ont du... Des fois tu tournes ton volant et t'avances et ton volant n'est pas complètement... braqué. C'est horrible, je vois pas ce qu'il y a derrière moi et devant moi. Oups. Ah non, c'est bon. Non mais je vois pas ce que je touche derrière, c'est horrible. Je suis coincé là, je sais pas ce qui me coince. Dans le rétro intérieur et ça me dit qu'il y a rien. Attends, j'y arrive. Non mais c'est ma boulissime quand même de... Il y a quoi? Il y a rien pour cent. Je suis au niveau de la remorque là. Qu'est-ce qui me coince? Y'a rien derrière moi, si? Il est temps de prendre la route. Ah putain, ça va être le truc du bulldozer que je touchais. Là, y'a rien. Là. Vas-y, recule. Là, c'est bon. Grâce à ta lumière, ça m'a... J'ai capté, ouais. Tu devais toucher... ouais, peut-être le truc du bulldozer. Recule encore. Ouais, voilà. Là, tu peux... Ah putain, c'est tellement abusé quand même, ça. Ah, mais je vois plus rien, tu vois. Alors, je sais qu'il faut que je passe à t'es côté... en vue extérieure Ouais. Ah putain, non, je suis à l'envers. Merde, je suis à l'envers. Alors, vas-y, doucement. Moi, ah, je vois même pas où... Je vois même pas où est ta remorque, hein, donc... Bah, elle est derrière le bulldozer et le muret. Pour te donner une idée. Je la vois. Ah mais c'est, je te dis, c'est pour ça, là ils auraient dû mettre des loupiotes quand même. Mais tout est éclairé en fait. Mais où? Mais tout partout, moi je vois que tout est éclairé, je suis sûr que t'as un souci de contraste ou de chroma, bah... enfin je sais pas comment on appelle ça mais... Bah pourtant non, je vois normalement moi, mais il n'y a pas de lumière où je suis, il n'y a pas de lampadaire, comment mais... tu veux qu'il y ait de la lumière? Mais je sais pas, la lune ou je sais pas, moi je vois tout en fait. Ouais. Quelle lune? Je vois tout clairement en fait, c'est ça que je comprends non, pas. Bah attends, bah j'en sais rien. Ta luminosité est peut-être trop basse dans ton jeu. Je me suis trompé de touche. Attends, faut que je fasse marche avant parce que je suis plus dans l'axe. Merde, bah oui, en même temps si j'ai le doigt décalé du clavier... Ok, on recommence. On y va. Bah, j'en sais rien, moi j'ai laissé la luminosité normale. Attends, je vais aller voir ça après, justement en mode ici, je pourrais me fixer. Alors attends, option. Option, c'est dans quoi? En bas à droite, alors graphisme. Option, c'est dans graphisme, je dirais. Et luminosité, c'est le premier, moi je suis quasi à la moitié.
Bah, je suis à la moitié aussi. C'est bizarre. Quoique, attends, pourquoi... je peux pas bouger la molette? Pourquoi je peux pas y toucher? Si, faut cliquer sur le petit bouton et ça marche. Bah, ça fait rien, moi. Quel petit bouton? Bah la petite molette au milieu là. Bah, je peux pas. C'est bizarre. Mais bon. Allez, quasiment à la moitié, quoi. Allez, franchement, allez, un morceau de molette, là, la taille de la molette. Disons que maximum, il faut la taille de la molette un peu à droite pour qu'elle soit à la moitié. Ouais, non mais Non, ça vient pas de je sais pas. ça. J'avoue que là, je vois pas. Pardon, je J'ai sais pas. rayon de soleil, correction des couleurs. On va Non, voir si je fais ça. je pense que c'était je sais pas. En tout cas, moi, il Parce que mon fait. PC est trop C'est bien éclairé, il fait clair, quoi. lourd. Ouais, je t'avoue que moi, c'est Comparé la nuit, à quoi. des fois, on est rentré dans des trucs où là, vraiment, il n'y avait pas de lumière et c'était Ah, horrible. moi c'est la nuit. Ah non, 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 C'est non. vraiment. T'es dans le noir, c'est nuit noire, ouais, d'accord. Ah non, moi, Mais non, je te dis, tu peux regarder sur mon stream ou tu regarderas la rediff. On voit tout, en fait. attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Même en vue intérieure, je vois tout. Bizarre. Non, mais je vois mieux. Mais le truc, c'est que je vois mieux en vue dans les rétros que ce qu'on voit. C'était ça le délire. Niveau de visibilité des lumières. C'est quoi ça? C'est quoi le niveau des lumières? C'est peut-être ça. Il Attends. n'était pas mis. Attends, je vais regarder. Attends, je regarde Tout en vite bas. fait. Juste Option. au-dessus de piéton. Graphisme. Tout en bas, tout en bas. L'avant-dernier en fait. Au-dessus de piéton. Niveau de visibilité des lumières, j'ai mis élevé. Bah ouais, non mais moi il était pas activé, ça doit être ça. Bah, je sais pas, tu me dis. Ah bah oui, bah carrément. D'accord. Bah carrément. Si t'avais pas activé les lumières, oui, je comprends pourquoi. T'as dû jouer dans le noir pendant un bon paquet de temps, en fait. Mais je sais pas pourquoi il est désactivé ce truc. J'ai jamais touché. Pourquoi il s'est pas activé? Sais pas. Ah oui, non. Bon. Déjà que quand il n'y a pas de lumière, c'est noir. Quand il y a de la lumière, c'est éclairé. Mais je te dis, il y a des passages où je suis allé et quand il n'y a pas de lumière, c'est noir de chez noir. Ah non, mais moi j'étais dans le noir, même ici, tu vois. Non, toi, ouais, tu vois comme je vois dans mes rétros, en fait. Non, mais Ah c'est oui. débile parce que dans les rétros, on voit. Oui, mais pas en vrai. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ça la débilité du j'ai truc. vu. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est bizarre. Attends, parce que là, la remorque, elle touche. Oh là là, oh non, la remorque, elle s'est coincée. Et bah, fais une marche arrière et prends plus large ton virage. Mais j'arrive pas à faire une marche arrière, c'est ça le pire. Il peut pas faire une marche arrière, ce con. Ah oui, t'es collé sur le truc. Faut que tu braques, bah braque à droite et puis. Ouais, ta remorque a disparu. Mais non, elle est là. C'est parce que tu la vois pas, toi. Ah, c'est parce que tu l'as enlevé. Ouais. Mais c'est quoi ce bordel? Ok. Peut-être que je pourrais faire une meilleure marche arrière comme ça. Bah c'est parce qu'il y a un bac en fait sur le côté Mais gauche oui, j'ai pas et fait gaffe. tu t'es J'étais accroché. Ah tellement oui. choqué par la lumière que j'ai pas fait gaffe au bac. Alors que je savais qu'il était là ce con de bac. C'est Ah bon, merde, t'es attends. monté dessus? Ça va être compliqué là. Soyez prudent. Mais elle veut pas reculer la remorque. Bah ouais, Oh, c'est c'est bizarre. abusé. Ah. C'est bon. Ah, c'est bon. Braque plus à gauche, à droite, pardon. Non, parce qu'en plus il y a le pilier sa mère.
Allons-y. Oh putain, ça passe à, au millimètre. Hein. Oh, ce truc au millimètre. Fais gaffe, il y a des petits trucs qui ressortent sur le petit... Comment on appelle ça, le petit pont. Ouais, bah oui, je me suis fait avoir à l'aller. J'avais pas vu, quelle idée d'avoir mis des genres de rambardes, quoi. Bien pour se faire yesh. Tenez la droite. Non, mais je pourrais appeler cet épisode et que la lumière fût. Ouais. Je trouve que c'est un bon épisode, que la lumière fût. Parce que là, ouais, j'étais vraiment dans le noir, ouais. Là, il y a la lumière. Ouais, là, je vois les loupiottes. Alors, c'est où la sortie? C'est là? Ouais. J'ai envie de dire ceci expliquant cela. J'avoue que c'est mieux avec la lumière, oui. Je comprends pourquoi t'avais besoin d'une rampe. Bah oui. Enfin, tu peux me dire, moi c'est pareil, quand il n'y a pas la lumière, je vois que dalle. Hein. Oui, mais quand il n'y a pas la lumière, oui, mais là tu me dis, il y a de la lumière, moi je voyais rien, j'étais vraiment dans le noir. Alors, c'est comme si tu me mettais dans une pièce, t'éteins la lumière, tu fermes tout, les volets, tout ce que tu veux qui puisse faire de la lumière, quoi. Vraiment le noir total. Je voyais juste certains détails, quoi. Genre le tas de cailloux, je le voyais un peu. Ouais. Mais oui, bah tu m'étonnes, si la fonction lumière elle était pas activée dans les options, j'avais jamais fait gaffe moi à ce truc. Et en plus je vois pas surtout pourquoi il était désactivé. La Par vraie contre, question à 10 000. Faudra que je regarde un de ces jours parce que j'ai toujours pas compris c'était quoi la fonction piéton. Que tu puisses descendre de ton camion, j'ai jamais vu... Ouais, moi non plus, je t'avoue. Après tu vas me dire à quoi ça sert même. Bah je sais pas, aller voir ce qui se passe dehors quand t'es bloqué dans le noir comme j'étais. Quand t'es tout seul. Ah mince là, ah il y a un gros caillou, d'accord, j'avais pas vu. C'est quoi, 45 ici? Ah mais ça sent le feu rouge là devant. Ouais, j'ai tout feu rouge. Ouais, il faudrait que j'arrive à passer vite. Non, c'est orange, je vais arriver en rouge. Ah, j'ai pas de bol. Allez, bah. Tout droit. Il y a un autre feu rouge juste après, donc... T'as déjà... Non, mais c'est... C'est ton deuxième feu rouge, là? Non, non, je suis au premier, toujours. Oh, putain. Il y a les camions qui passent devant moi. Je suis au troisième. Hein. J'ai quand même mis 80 heures pour découvrir ça, quand même. Hein. Comment mettre la lumière? Non, mais c'est beau, tu vois, comme quoi c'est un jeu tellement impressionnant que même après plus de 80 heures, même plus de 85 heures de jeu, tu découvres encore des choses, ouais. Ah non, mais la ville éclairée et tout ça, moi ça me parlait pas, tu vois. Moi je passais dans certaines villes et je me disais, mais du coup c'était mis dans le noir. Ouais, tu te dis, mais putain, pourquoi ils allument pas leur lumière, ces cons-là? Ça coûte pas cher de bien manger. Ça, c'est quand ils ont fait une mise à jour, ça me l'a désactivé parce que je l'avais pas, je me rappelle au début ça. Ah bah peut-être, ouais. Rappelle-toi, je m'en étais pas. Avec la mise à jour Highlight, peut-être que ça... Ouais, je crois. Parce que je me rappelle, avant, ça devait être automatique en fait, avant, il devait soit pas exister, soit être activé. Et sauf que maintenant, ils t'ont laissé choisir le niveau que tu veux mettre. Et comme sur ces cons par défaut ils ont dû mettre désactivé, bah voilà, je me suis retrouvé dans le noir. Non mais rappelle-toi, je m'étais plein dans plusieurs villes, je passais des fois, il faisait noir. La dernière c'était celle où il y avait le train qui était passé devant nous. Alors je sais plus où c'était, mais c'était vers Washington il me semble. Ça y est, je passe le deuxième feu rouge moi. Pour se donner une idée du truc. Toi qui te plaignais que les feux ils étaient pas assez longs. Bah, je me suis arrêté, je bois un coup d'eau. Hein. Ouais, bah oui, je comprends.
J'ai eu de la chance par contre, c'est que j'ai fait zéro dégâts sur le camion avec la manœuvre que j'ai dû me taper dans le noir. Ça, je suis content. J'arrive, hein, je suis presque là. Quand tu vois passer les voitures, je suis un peu derrière. Ouais, je vois ton camtar. Je passe devant ou tu te lances? Vas-y, avance. Que sachant qu'au bout du trajet, c'est toi qui es censé montrer quelque chose. C'est à l'arrivée, donc... Ok. Par contre, si une station accessible, je te dis tout de suite, je m'arrête, comme ça, ce sera fait. Ouais, pas de souci. Parce que je suis en dessous, je dois avoir un quart de réservoir à peu ouais, près. Ouais, je suis à la moitié, moi, je dirais. Il y a la pilice. Ah ouais, je vois même mieux les feux de la pilice, on dirait. Ah, peut-être, ouais. Tout ce qui est highlight, ça doit... Ouais. Bah ouais. Et il y a des hélicoptères. J'ai retrouvé la vue. Ouais, il devait y avoir une course-poursuite. Ouais. Comme la dernière fois, rappelle-toi. Par contre, j'ai envie de vous dire, la lumière sur ça freine. Il y a un feu rouge, je crois, devant, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un feu rouge, hein. Non, attends, des travaux, qu'est-ce qu'il y a? Non. Par contre, t'as une pompe à essence sur ta droite. Hein. Bah, j'y vais. Attends, non, on peut passer après. Ça rejoint pas, attends. Comment ça? Ouais, c'est mieux de prendre la deuxième, je crois. Juste avant le feu rouge. Si je lis bien. Non, après le feu rouge. Ah oui, c'est carrément après, parce qu'on pouvait passer derrière, en fait. Oui, tu pouvais passer par le... par la droite. Ouais, mais tu regardes, tu peux prendre allez, là. Tout droit. T'esquives le feu rouge en faisant comme ça, c'est bon. Comment ça? Mais y a pas infraction. Bah si, parce que t'as pas mis ton clignotant. Merde, il s'est enlevé, ce con. Merde, attends, ah merde, c'était là pour rentrer. Bah c'est à gauche. Calcul d'un nouvel itinéraire. Gauche. Bah ouais. Bah je peux pas, là, y a un muret. Préparez-vous à tourner à gauche. Je vais passer de l'autre côté. Tourner à gauche. Pas grave, comme ça je ressors dans le bon sens. C'est pareil. Ah ouais, je me suis fait sneaker mon... Ouais, parce qu'en fait, je crois que c'était dans le sens que j'ai pris, pas dans le sens que t'as pris. Ah bon? Ah ouais, quand je passe en dessous d'un truc, ça me fait de l'ombre et tout. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, ça marche, rien. Putain, ouais, je me suis fait niquer à cause de mon clignotant. Je suis deg. Je veux bien tourner à droite, mais il y a un camion qui s'appelle Butter, je sais pas quoi, qui fait chier le monde, il semblerait. C'est vert, hein. Bah j'attendais, parce que comme c'était rouge, j'attendais de savoir le camion ce qu'il peu allait peu faire. Je trouverai il allait un tourner. Nouvel itinéraire. Donc en vrai, on aurait pu passer s'il avait mis plutôt le clignot. C'est rouge. Et lui, il a pas de clignotant. Et il tourne à droite. Si, il a un clignotant, je l'ai vu. Avec ma lumière, alors ça devait l'empêcher de voir. Tenez la gauche, puis tournez. Oui, t'es en plein phare, je pense. Ouais. Je suis sûr que les. Comment on appelle ça? Les autres véhicules doivent te faire des appels de phare tout le temps. Non. Juste la ferme. C'est quoi ces conneries là? Bah ouais, mais je suis pas habitué, moi, quand j'arrivais dans un endroit comme ça, avant c'était le noir total, alors... je mets de la lumière. Oui, bah... Je trouve ça logique. Non, mais maintenant, mes feux de position et mes pleins phares ont un intérêt. Je t'avoue que ça m'a tristé de me dire qu'ils me servaient à rien.
mais maintenant j'aurai les ponts éclairés. Parce que j'avais même les ponts, j'avais des endroits, c'était plus éclairé. Alors que c'était censé y avoir de la lumière. Ah bah là, là c'est pas éclairé. Bon bah ici oui, bah, y a pas de pont ici. Bon, encore 45 miles. Et on pourra voir la trouvaille de Jackie. T'as vu Gogeta ? Non. Moi non plus. Vas-y. J'ai fait qu'une. Enfin, j'ai fait une multi jusqu'au gratuit et j'ai pas. J'ai fait des multi jusqu'au. La multi gratuite. Je crois que c'est 3 plus 1. Ça. Allez, tout droit. Je... C'était pas quoi. Bah moi j'ai eu d'affilée, j'ai eu le Goku et Vegeta Blue en duel en LR. Et j'ai eu le Gohan Goten de Broly en LR aussi. Je les avais pas donc je me suis dit c'est cool. Non j'attends Heroes moi. Mais bon les cartes ça envoie pas du lourd j'ai l'impression. Bah là j'attends le portail Trunk pour avoir Vegeta Blue. Lequel de Trunks? Bah là il y a Tenez un portail Trunks qui va arriver. Ouais mais lequel? Parce qu'il y a celui sur la Jap avec le puissance avec Bulma d'après ce que j'ai vu. Mais après sinon le God. Aucune le idée. Goto. Parce que ça c'est Heroes. Hein. Parce que normalement le prochain c'est censé être Heroes, le gros portail. Ah bon? Bah si le prochain c'est Heroes, Ah bah le Trunks puissance je pense que nous on l'aura pas tout de suite. Peut-être soit à la fin d'année, soit début d'année prochaine pour maintenant. Verra ce que... Tenez à droite, puis sortez à droite. Ah, à droite. Verra ce que le Heroes nous propose. Attention, t'as une voiture juste à droite. Je viens de voir. J'ai vu ça, sa blancheur. Bah Heroes, je te dis, il peut y avoir des trucs cool comme après la panne, j'avoue que ça m'excite pas le bourrichon. Bah moi j'en ai quoi, j'en ai... Mais j'ai une team crossover et tout alors. Moi j'en ai un de Heroes je crois. Ah, moi j'en ai beaucoup. J'ai le héros qui. Beat. Ouais, qui. Il se transforme en Great Saiyaman 4. Quand tu vas tout au fond, quand tu débloques tout, au début c'est. Il est normal. Ouais. Et quand UR à fond là, il se met en Great Saiyaman. Ouais bah j'ai ça, j'ai le Great Saiyaman 3 là, le Kid Trunks, là il y a Silas, après j'ai tous les démons là aussi qui sont sortis. Ah ouais t'en as pas mal. Ah bah j'ai... Non, je crois j'ai que... Vegito Xeno, le Broly 4. Je crois que j'en ai... C'était l'année dernière ceux-là. Deux. L'année dernière c'était un bon portail. Allez maximum, si j'en ai 3 c'est les maximums que j'ai. Oh putain. Je crois qu'ils ont niqué tout devant. Comment ça? Bah le camion il a pas avancé, la voiture elle lui a rentré dedans gratuitement, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est feu rouge de toute façon, dès que c'est... Ah, non, c'était vert il y a 2 secondes. Il est pas passé justement. Regarde là, t'es freiné. Je sais pas ce qu'ils ont fait, attends je recule un tout petit peu au cas où. Tu peux pas, je suis derrière. Non mais je sais. Non mais j'ai laissé un peu d'espace là. C'est bon, ils avancent. Mais parce que lui il avait déjà mordu en fait. Mais il est resté comme ça malgré que c'était... Bah il est passé au rouge ce con. Et l'autre c'est vert, il passe pas. Mais pourquoi il bloque tout cela? Ah il nous a fait... La voiture elle nous a fait la même. Alors je sais pas ce qu'ils foutent, ils mordent d'amette et ils attendent que le feu vert il passe, c'est con. Non mais là il fout de ma gueule. Me dis pas qu'il va passer aussi au rouge. Mais en plus il tourne à droite. Ah non, en plus il va pas passer parce que à droite c'est bloqué à cause du feu rouge, c'est pour ça qu'il passe pas, c'est con. Ah, ça tombe bien, j'étais en train de bouger. Non mais le pire c'est qu'il morde la ligne pour faire ça quoi. Mord pas. Bah voilà, il a tourné. Ouais mais c'est interdit, tu mords pas la ligne, tu mets pas la moitié du véhicule en plein milieu de la route. Pardon, on s'en fout. Maintenant c'est libre, on va pouvoir passer. Bah, bon oui. on a attendu un feu pour rien. Trois, ouais, tu veux dire. Il repleut.
Bah il pleut pas moi. Comment ça il repleut? Bah moi il pleut. Bah moi j'ai pas vu une seule goutte de pluie. Bah c'est bizarre, non, on est censé être synchronisé. Et plus chaque fois. C'est cool maintenant, on entend bien les klaxons. Ouais, et la résonance aussi sous les... Ah oui. Ouais, ça c'est cool. Allez, on est presque arrivé là. Il reste quoi, 8 miles. Et là, quand tu regardes le GPS, tu te dis ça fait 8 miles ça. Ah ça y est, il pleut. Et moi j'ai des éclairs. Oh là là. Ah ils ont annoncé, hein. C'était rude, hein. Fais gaffe. Hein. Ouais. Mais on était déjà passé ici, non? Wow. Attends, on passe comment là? À gauche? Non? Ah il faut passer en face. Non mais ils sont sérieux. C'est quoi ce chemin? Bah, le chemin nous dit de passer là. T'as vu ça? Ouais. Oh, non mais là c'est quoi ce truc tortueux là? Attends. T'es sûr qu'il faut passer par là? Bah oui, le truc ça monte tout droit, non? Ouais mais il faut tourner à gauche. Je sais pas. Les panneaux sont attention, pas clairs. Attention, je suis là. Oh putain. Attends, je recule. Vas-y. Non, il y a une déviation, il y a un panneau... Je sais pas, je suis dans le noir. Ah, je suis dans le noir. Ah, attention. C'est là, tu penses? Faut ouais, faire hein. Tout le tour. Bah ouais. Mais pourquoi le GPS, il nous donne pas la déviation comme parce d'habitude? Le GPS, il, je sais pas, il est con aujourd'hui. Parce que normalement, le GPS, il te le dit automatiquement, non? Merde, je suis coincé. Je vois pas. Dans le rétro aussi, ça passe. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y avait une roue de la remorque qui coinçait un peu. Ouais, il faut faire tout le tour. Ouais, faut faire le tour. Oh, le chemin par... Non mais ces chemins, c'est interdit aux camions, ces chemins. Sans déconner. Tu vois pas que c'est pas vrai. Normalement, c'est pas autorisé pour les camions, genre de route. T'as vu comment c'est? Le truc, c'est limite du tout terrain. Heureusement que je suis pas engagé là où j'étais tout il y a 2 minutes là avec un genre un double plateau. Oh wow, non mais le truc c'est à moitié ravin et sous. C'est quoi ces trucs? C'est quoi ce jeu? On m'avait pas dit que c'était le convoi de l'extrême. J'avais dit avant de partir, tu vois. Quoi tu voulais en faire ou pas du convoi de l'extrême? Ah bah là, on en a un petit peu, ouais. Je sais pas, moi, bah pourquoi ils ont pas barré la route si on pouvait pas passer? En même temps, ils sont cons, ils ont laissé de quoi passer. Moi, je passe, hein. Ça me dit, c'est plus rapide. Il pleut plus, en tout cas. Ouais, moi, j'espère autant. Ça s'est arrêté d'un coup. Oh, c'est un petit peu abrupt, visité. Oh putain, mais c'est quoi ces routes? Si tu prends un gauche, il y a un tremplin. Pour faire comme dans GTA. J'avais envie d'y aller. Pourquoi ça m'étonne pas? Préparez-vous à tourner à droite. Alors attends, qu'est-ce que ça dit là le panneau? Parce que le problème c'est qu'avec les lumières. Route droit devant? Bah j'espère bien qu'il y a une route. Ah tournez mais oui, là, d'accord! Non, tourne pas à droite. Ah bah ça, oui.
Attends, parce que je sais pas où t'es en plus. Ah si, si, tourne à droite, ouais. Non, tourne à droite, vas-y, tourne à droite. Continue tout droit. Tu prends sur ta droite et tu fais un gros demi-tour parce que tu dois te mettre... Quelle droite? Avance, avance. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de droite. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de droite. Avance et essaye de te coller sur ta droite et de faire demi-tour. Ah non, le mieux c'est que je recule, il n'y a rien devant pour faire demi-tour. Hein. Ça va être la misère. Hein. Tu peux pas reculer, je suis là. Tu m'as reculé. Ah, en fait, je me demandais c'était quoi le... L'endroit où on allait, en fait, c'était pas une entreprise, puisque on ramène du remblai pour la route. Oh là là, t'es en portefeuille. Bah ouais, mais j'essaie de réfléchir à comment je vais pouvoir remettre tout ça bien. Parce que j'avoue que là... Je te dis, t'avances tout droit, tu vas et t'essayes de faire le demi-tour dessus. Ouais, je pourrais pas. Et si, c'est possible. Faut le faire tout doucement. Butters, là, il est en train de me dire un truc. C'est une là, en fait. Attends. C'est bon, il y a le truc effectuer la livraison. Putain, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Je savais qu'il y avait une carotte. C'est qu'il n'y avait pas le drapeau. C'est ici que ça se termine. Direct, d'accord. Bah oui, bah, c'est bon. Mode feignasse. Je savais qu'il allait avoir une arnaque comme ça, je voulais tester. Parce que je me suis dit, là, ta strade, je la sentais pas. Je croyais que tu voulais te mettre à cul directement, quoi. Bah, je pensais qu'on... Ah oui, maintenant il a pop, le truc. Bah, je pensais qu'on pouvait pas le rendre au début, parce qu'il y avait pas le drapeau comme il y a d'habitude. Alors, attends. Voilà, donc tu vas venir avec moi. Bah, vas-y, moi, je vous suis. Mais il est où? Si c'était ça. Si c'est ça. D'accord. Il est derrière nous. Tu veux passer par la zone de travelo ou pas? Attends, t'es où toi? Bah, je suis là où j'ai livré. Je te vois dans mon rétro. Ah ça y est. Bah oui, mais t'étais pour moi t'étais transparent. Tu veux faire quoi, demi-tour? Ouais. T'étais invisible pour moi. Vas-y, passe. Attends, faut que je remette vue intérieure, j'ai oublié en parlant de tout ça, moi. Voilà, je préfère tellement ma vue intérieure. Bon, normalement, là, ça devrait passer tranquille malgré qu'il y ait les travaux. Attends. Ah, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, ils l'ont pas enlevé. Pourquoi il fait marche arrière? Merde. Prévenez, monsieur. Attends, si je fais marche arrière, attends. C'est quoi que tu voulais montrer? Pourquoi il m'emmène là où il y a des toilettes? Attends, je sais pas. Attends, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Butters? Je t'emmène au truc que je voulais t'emmener. Mais vous venez de dire qu'il l'avait enlevé. Bah je sais pas, là je vois qu'il... Attends. Et qu'est-ce qu'on cherche? En même temps, sans travaux. Je peux pas te le dire tant que je te l'ai pas fait voir. Ouais, mais s'il y est plus. Bah s'il y est plus, je te le dirai. Attendez, il est où exactement? Ouais, faut vraiment revoir la... Ouah, il y a une tablette et tout à l'arrière de mon camion avec un petit fauteuil. Ouah, on peut s'asseoir et manger. Trop cool en vrai.
Je suis sûr qu'on peut manger des deux côtés. Je peux inviter des gosses à manger. Bon, moi j'ai coupé le moteur, j'ai mis le frein à main. Non mais Jackie, il m'emmène dans des endroits comme ça en pleine nuit là. Je sens pas trop ses plans là. Il n'y a même pas un ouvrier qui bosse. Je trouve ça douteux. Comme ta carrière. Hey guys, we're currently running a contest over on the air 12. Bon, j'ai le temps d'aller prendre mes cadeaux sur Dokkan, moi, tant que tu fais ça. Non, tu fais pas ça, sinon je te pète ta gueule. Je C'est bon, j'ai trouvé. Excusez-moi pour l'attente. C'est derrière nous, en fait. là, t'as entendu ou pas? Non. Est-ce que t'as entendu ce Si, que je j'ai t'ai entendu envoyé? ce que j'ai cru d'entendre. Bah je t'ai dit, moi je mets Dokkan Battle, hein. Si tu mets une plombe à C'est trouver ton bon, endroit c'est bon. mystère là. Oh là là, il passe devant comme ça. Bah oui, c'est moi qui ai la route. Ouais, mais on coupe pas La chic. la chic au conducteur. Bien sûr que si. Il fait demi-tour. Ils veulent m'enterrer là, ils ont creusé et tout, ils vont tout rebétonner. C'est ça qu'il veut faire en vrai. T'es prêt? Bah, je vois des plots. On a le droit de passer là? Ah non, mais entre les plots, d'accord, j'avais pas vu. C'est comme la porte Bon. 9 3/4. Ah, carrément. Ah ouais, y a rien ici. Et y a pas de route. Eh oui, mais là où on va, on n'a pas besoin de route. Ah bah là, c'est le cas de le dire, ouais. C'est un secret, monsieur, dame. Pourquoi il y a une route alors qu'il n'y a pas de chemin marqué sur la carte? Mais carrément. Bizarre. Parce que... C'est quoi? Eh, c'est un circuit? Qu'est-ce Eh que oui, c'est? c'est un circuit, mon bon monsieur. Il y a Ah même ouais, une... en plus tu peux mettre. Ouais, tu peux. Il y a une pompe pour mettre de l'essence. Ouais. Il a craché ses poumons. Hé! Oui, il faut s'arrêter, monsieur. Ouais, il faut pas freiner comme ça sans prévenir. Voilà. Salaud, 12% de dégâts. Le mec qui prévient pas, qui freine. Vas-y, c'est parti. Vous Fonce. les Français, vous avez toujours une grande gueule comme Bah, ça. vas-y, fonce. Viens sur le circuit et je t'explose. C'est un endroit caché. Oh, il y a un circuit Et il y a un planqué. circuit planqué en fait. Et qui est pas marqué sur la carte. Trop cool. T'as vu, il y a même un camion sur la gauche. Sur une sorte Oh, de sortie de strade. piste. Oh ouais. Il y a même des mannequins qui bougent. C'est les trucs gonflables. Oui, bah on les a vus quand on est arrivé sur la piste. Finish. On n'a pas un succès pour ça? Je sais pas. Attends, je me mouche.
Bah, moi, je me suis fait un second tour histoire de faire un peu mieux. Montrer quand même que je pilote un peu, quoi. Parce que bon, le premier tour, j'ai été un peu la barbare. Oh lélé. Ah, oh, bah là aussi. Ah, bah finalement, c'est bon. Non, mais ça va. J'ai pire que mieux, mais ça va. Salaud. Mais quel sadico. Bah, ce que j'ai entendu, oui. C'était... T'as dit bien que tu l'entendais. Ouais, je l'ai entendu au loin. Et en fait, ici, c'est un... je crois que c'est un... circuit de camion. Bah, je vois ça, ouais. Ouais, c'est les truckers racing, ou je sais plus comment on appelle ça. Il y a un jeu comme ça, en plus, sur PC. Je sais pas si tu l'as vu, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... bah, je crois que c'est Trucker Racing. Ou Tracker Sim Racing, et tu regardes, un truc en genre. Ah ouais, tu t'es parti. Ouais. À l'entrée, je suis parti à la pompe. À l'entrée, il y a des plots. Ouais. Et qui forment le logo SCS. Ah. Ok, non, mais c'était cool. Bon, j'ai fait un peu de la merde, mais c'était cool. Voilà, je tenais à le dire. Là, il y a même un stand avec des bécanes. C'était une belle surprise. Ah mais le moteur il déconne. Tu peux réparer si tu veux sur la droite. Ah bah c'est cool, ça m'intéresse. Ah oui là-bas, ok. Bah j'y vais. J'y vais de ce pas, j'ai envie de vous dire. Là tu peux tourner à droite ici. Oh là là là. J'ai envie de dire le mec qui en peut plus, il est au bout de sa vie. Pour ma défense, je suis réveillé depuis 12 heures. Voilà. Messieurs, dames, on vous signale qu'on en a rien à foutre de votre connerie qu'on est levé depuis 6 heures. Mais merci quand même. Plus 12. Mais qui est salaud. Non mais ça tombe bien parce que je vais pouvoir m'acheter des petites conneries, tiens, justement. Pour l'intérieur de mon camtar. On n'a pas le droit ici, ici. Ah non, attends. Ah si. Hop, intérieur. Voilà. C'est ça qu'on veut, nous. On s'arrête dans combien de temps? Savoir si je relance une petite mission ou pas. Bon, une petite mission, moi. Il y a moyen, je pense. Une petite mission. Ouais, si t'en... soit on se TP, soit t'en trouves une dans le coin. Je sais pas, toi, comme tu veux. Ouais, je vais essayer d'en trouver une. Merde. Comment je fais pour voir à droite? Bah tu tournes ta vue à droite. Bah ça veut pas. Ah si, c'est là-haut. Non mais c'est bon, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je vais accrocher à mon camion? Un crâne chromé, une tête de squelette, un ballon de football américain. Tiens, ce serait cool. Ouais, je vais mettre ça, tiens. C'est bientôt le Super Bowl. On va mettre un petit ballon. Voilà. En vrai, j'imagine que... qu'est-ce qu'on peut mettre de bien ici? Bordel. Attends, je vais regarder les autres. Y a rien ici pour acheter, là? Merde, comment on met la petite baïnée là? C'est où normalement ça? Bah, ça me donne des rétros, à l'emplacement de la baïnée. Enfin, à l'emplacement sur le. Bah ouais, mais ça propose rien, c'est parce que le magasin ici il est claqué au sol ou. Bah non, normalement tu. J'ai des rétros, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dehors ça. Ah c'est oui, où, mais. Pour mettre... T'es dans le camion? Bah ouais. Bah si, normalement t'as une petite croix juste devant quoi. Après peut-être sur les camions, toi ton camion c'est peut-être un peu plus sur la droite. Je sais pas. Bah je suis à droite là du GPS, mais ça me propose que des rétros.
C'est caca. Bah ouais. Bon, mais j'irai voir dans un autre magasin, peut-être. Ça, c'est... Tac... Bah oui, j'annule, je veux pas tes merdes chelous, là. Mais ouais, si t'as une petite course, là, dans le coin... Ouais, j'ai une toute petite... J'ai une toute petite petite. Ça se prend. Ok. Pour se finir. Pour se finir. Merde, c'est où la sortie? Mais je veux pas arrêter le moteur. Me fais pas chier. Je veux me casser. Tu regarderas dans les convois si tu peux la prendre. Ça y est, t'as choisi? Ouais. Alors attends, je vais aller dans le menu, hop. C'est bon, je suis arrêté, calme-toi. Non. Eh merde. Ça me met truc rouge. Vous devez acquérir les compétences suivantes, danger de classe 2. Ah, mais je l'avais pas le classe 2. Bah, j'en ai mis plusieurs pourtant. Ah, j'ai peut-être choisi d'autres. Ça... Ah, c'est con en plus, c'était un truc à risque. Bah ouais, c'était du propane. Ah, j'ai peut-être pas les gaz moi. Comment on l'enlève? Je sais plus ce que j'avais choisi. Abandonné. Bah, abandonné, ouais. Mais non, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est pas grave. On va prendre autre chose. Alors, rouleau de câble en acier ou électroménager? Bah, comme vous voulez, monsieur. Moi, je m'en fiche. Hein, sous on transporte. Alors. C'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Bah ouais. Je vais mettre celui-là. Tu vas me dire Et si bon. Tu peux. Je peux, je peux. Waouh! T'as pris les câbles en acier. Prendre une mission. On va rester en Arizona. Bah, on monte vers l'Utah. Ouais, bah là on va juste à Phoenix et on dépose. Je viens de voir un comment on appelle ça? Un appareil de chargement là, une sorte de comment on appelle ça? Bah je ne sais pas moi monsieur une comment image. On appelle ça comment on... Une photo ouais. Tu sais le mec qui transportait un hélicoptère. Il est temps de prendre la route. Waouh. Je l'ai fait, moi, la mission d'hélico, je crois. Recherche d'un nouvel itinéraire. Transporte un hélicoptère. Ouais, il me semble que... Bah, ça tombe bien, la remorque, elle est juste là. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Oh là là. Tournez à droite. J'ai été trop vite. Mais qu'est-ce que t'as fait avec les plots? Bah, faut bien que je les enlève pour passer. Prêt à rouler. Attends, je suis pas sûr que tu puisses passer à travers. C'est bon, je vous touche pas, monsieur. Oh ! Tournez à gauche. On va s'amuser. Pourquoi ? Bah avec cette remorque-là, faut reprendre le chemin qu'on vient de prendre. Quel chemin ? Ah que... oui, le... Bah oui, le chemin. Le terrain de golf, là. Et merde. C'était quoi ça, merde? Je suis accroché. Non, c'est bon, t'es décroché. Ah bah oui, mais bon. Avec la remorque articulée, faut frotter le... Ah oui, ah ouais, j'avais pas fait gaffe, cette remorque de merde. Bah oui. Ouais, je t'ai demandé de choisir. Ah non, je peux pas passer. Oh putain, il fout la merde. Si, si, ça passe. Non, le poteau ah, est encore, plus à droite. Je peux pas, je suis collé. Oh là là. Attends, avance-moi, je recule. Vas-y.
Oh, je l'ai là, tout désarticulé. Non, mais c'est fait exprès. Vas-y. Ah, ça... ah, t'es coincé. Non. Attends. T'es... Si, t'es coincé les deux remorques. Fais gaffe parce que j'ai pas recul infini, moi. Je peux pas reculer beaucoup plus. Bon. Hein. Oh là, ça touche. Ça passe pas. Non, faut que tu recules encore un peu. Essaye d'envoyer la remorque vers la droite. Vas-y. Tu peux aller sur ta droite, toi, avec le camion, ou t'es trop à droite? Attends, il faut que je... Attention, derrière, ta remorque, elle va toucher. Il faut que... Vas-y, va à droite. Ouais. Attends, avance-moi. Non, j'avance pas, t'inquiète. Tu fais quoi, là? Tu vas faire demi-tour? Attends, comment tu vas faire ça? Et si tu serais passé dans la pelouse à gauche, ça aurait pas été plus simple? Non, parce qu'il y a un... Ah, il y a le grillage aussi? Ouais. Bon, il y a rien, il y a juste le buisson. Non, je crois qu'il y a un truc dans les buissons. Mais je suis pas sûr. Ah bon, moi je dis qu'il y a rien. Ça passe? Vas-y. Doucement, c'est bon normalement. T'es passé. Ah, vas-y, c'est bon. Ça frotte, mais ça passe. Faut que tu prends bien large. Hein. Ah, bah oui. Vas-y. Attends. Parce que ma remorque, faut pas qu'elle touche la barrière ici. Ah, ouais, non, faut que tu prends bien large. Quand tu veux tourner. Encore. Encore. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Vas-y, essaye de tourner. Braque avant de tourner. Ah bah là, je suis braqué à fond depuis un moment. Braque de l'autre côté, fais marche arrière. J'espère qu'ils vont le mettre, l'école de pilotage, ce serait cool d'avoir son permis. Ouais, j'avais envie de vous le dire aussi. Bah de toute façon, ils avaient annoncé, non? Ça a été validé normalement quand devait arriver. Ils sont pas sûrs. Mais... Attends. Ouais, mais ils avaient mis l'hypothèse au moins. J'ai un doute, j'aurais peut-être pris à droite, mais je vais rester sur la route. Moi, chez toi, je tenterai pas à droite, hein. Sachant qu'en plus ça compte pas comme route explorée. Et vu le chemin déjà qui t'attend devant. On va bien se marrer en ville. Non, en ville ça va aller. C'est les petites routes comme ça, là c'est le chemin pourri. Non mais moi je parle en ville, sinon on demande de faire genre une chicane, une connerie. Bah t'imagines, si là on aurait été de l'autre côté et on aurait t'aurais voulu esquiver les plots, faire droite-gauche hein. Bah ouais, c'est pour ça. C'est le genre de truc. T'arraches tout le bazar ou tu restes coincé. Et tout ça pour combien? 3 ou 4 000 dollars, c'est ça? Ou 200 euros, je crois. 200 euros. Mais c'est un... C'est un service que je rends. À la communauté, ouais. Non, un gars. Oh putain. Ah ouais, passe si tu peux aller dans le champ à gauche, passe dans le champ à gauche. Parce que t'as un truc, elle va frotter. Elle a plus que frotter. Ouais mais si elle a, des fois si ça frotte sur la droite et ça peut rester bloqué après t'es dans la mer. Non mais là elle a tamponné, elle a rebondi dessus sur la barrière. Ouais, en même temps c'est que du câble hein, il faut pas vous casser les couilles.
Ouais, mais la remorque, il la paye. C'est vrai. Je suis même pas sûr que la remorque, elle coûte pas plus cher que les câbles qu'on transporte. C'est pour ça que tu peux t'acheter ta propre remorque. Bah oui, pourquoi j'irais casser la mienne alors que je peux avoir celle des autres? Par contre, fais gaffe, hein. Ça descend. J'ai envie de dire, tout ce qui monte, généralement, finit par redescendre. Ouais, mais là, ça fait peur. J'ai cassé mon camion. Comment ça? Bah j'ai tapé, j'ai eu un lag et j'ai tapé dans la barrière. J'ai eu un freeze. Oh, oh putain. Préparez-vous à tourner à droite. Bah, t'as vu que, je sais pas si t'as remarqué, c'est jamais en même temps. Hein. C'est toujours un des deux. Ouais. Alors c'est toujours toi l'autre. Une fois ça avait été moi, là aujourd'hui c'est toi. Il me semble que on a déjà eu aussi. Oh non, on serait jamais passé là. Mais non, on serait pas passé. Déjà tout à l'heure avec la remorque assez solide. Comment tu veux qu'on passe? T'es fou toi. Déjà là pour sortir ça va être la misère. Attends. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ouais voilà, si tu prends bien large, normalement ça passe. Bah c'est ce que je comptais faire. Hein. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. La peinture que j'ai. Ouais. C'est une peinture. C'est la peinture que j'ai eue à Noël, en fait. Si, je crois que tu m'avais dit. Mais je l'ai retravaillé. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Il me semble, j'ai un souvenir de ça. Elle est retravaillée. Mais ouais. Ouais, donc c'est bientôt Noël. On va bientôt faire les livraisons. Les cadeaux. Les cadeaux. Par contre, ce qui me perturbe, c'est qu'on voit pas mes mains quand je conduis en vue intérieure et quand je suis à l'extérieur, on voit mon bonhomme. C'est vrai. Tu sais que c'est quelque chose qui me perturbe, ça. Ah, mais fortement. Est-ce que c'est pas plus perturbant de voir les... Oh yeah. Je me suis arrêté au feu rouge. Oui, je pouvais passer, mais j'étais pas sûr. Donc. Bah, moi, je dis que tu serais pas passé. Oh putain, qu'est-ce qui a continué à avancer. Ah, j'ai livré pas mal de choses. Hein. J'ai livré des vaccins. Tamponner. J'ai livré les cadeaux de Noël déjà deux fois, je crois. Non, trois fois. Non, deux fois pour l'instant. J'ai livré des matériaux de construction, enfin du remblai et tout ça. Et on a livré des Thrustmasters. Attends, faut que je regarde un truc. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Le mec, il a niqué toutes les voies. Oui, tu vois que des fois, on peut pas se mettre. Je suis au milieu. Non, mais je parlais. Non, mais moi, je suis au milieu, tu es milieu. Ah oui, moi aussi. Bah oui, c'est normal. Toi, t'as les deux voies de gauche, mais moi, la voie de gauche, allez, elle existe pas. Donc en gros, j'ai les deux. On va tourner à gauche. Bon, je me. Oui, c'est normal, je me suis pris un PV de feu rouge. Parce que vu que je suis au milieu des deux. Ouais, mais là c'est abusé, c'est pas de notre faute. Par contre, moi je suis rouge. Le feu qui rouge. Tourne à gauche. Il est rouge. Ouais, déjà, ouais. Ah putain. Oh la montée. Oh là, c'est dur. Ah bah tu m'étonnes. J'espère que t'as un bon camion. Bah normalement, ouais. Ouais, normalement, oui. Ouais, de toute façon, ils ont pas prévenu, c'est que ça doit supporter logiquement. Ah, moi ils m'ont prévenu au début. Ah bon? Ah oui, parce que c'est toi qui as choisi. Bah, moi ils m'ont rien dit. Mais bon, c'est que c'était bon s'ils m'ont rien dit. Par contre, le feu, c'est sympa, c'est quand tu... Oh! C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui m'a tapé dessus derrière. Saligo! Je te jure, c'est vrai, j'ai vu des gars de la SMI 1%. J'ai envie de te dire, je sais même pas qui c'est. Salaud! Je vais t'attendre sur le côté. Bah j'arrive, là je suis dans la montée. Et je vais en profiter, tu sais quoi, je me tape un délire, je me fais la mission en vue extérieure. J'ai jamais fait ça. Mais j'ai envie de comparer, tiens, pour une fois. Moi je trouve ça moins transcendant, perso.
C'est juste mon avis. Hein. Ah bah oui, c'est moins... Ah mais je peux pas en fait. Ça me donne déjà la gerbe. Ah non, je peux pas, je déteste ça. C'est bon, je te vois. Moi, je déteste ça. Autant pour des fois, c'est vrai, surtout quand il faisait noir. Ça c'était utile pour faire sortir de la merde. J'ai plein de voyants qui se sont allumés sur mon... J'ai des voyants qui se sont allumés sur mon truc. Je crois que j'ai un problème d'huile. Oh là là, il a tout cassé. Trucs, ouais, non, mais c'est parce que j'ai tapé plein de fois. J'ai pas encore réparé, donc... C'est écrit quoi sur le panneau au-dessus? Le panneau lumineux? Bah, j'avoue que j'ai pas le temps de lire. J'ai lu Get Nailed. Ah, je sais pas, j'ai cru voir Drug. Ah, peut-être, ouais, des fois ils mettent le message de la drogue, ouais. Ah, attends, je crois que j'ai le message de la drogue. Faut que je le retrouve. C'est le message anti-drogue. Le message anti-drogue du jour. Jackie, t'en as encore tout le temps du pif. Allez! Laisse un peu de farine tout à l'heure. Allez, monte à 65. Voilà. Il fait danser la vaillinée. Moi, j'avoue que 65, c'est un peu compliqué avec le camion devant, mais ça va, il commence à bouger un peu, ça y est. Hey, il y a un train sur ma droite. Bah ouais, je vois ça, moi aussi. Mais je vais plus vite que le train. Moi, il est quasiment en face de moi. Ah, maintenant, il commence à être sur ma droite, mais... Fais gaffe, il y a un feu rouge devant. Quoi? Je suis devant lui quand il voit des feux rouges. J'ai envie de te perturber. Tenez la gauche. Moi, c'est bon, moi j'avais anticipé. Attention, il faut tenir sa gauche. Y'a quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Dernier appel. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé que celui, j'ai dit bon, vas-y je prends. Et y'a celui aussi avec Gogolito, je sais plus quoi, non, Gogolito, non, je sais plus c'est quoi. Il y en a une aussi avec Homer comme ça. Ah putain. On se souvient plus, le seul que j'ai eu l'habitude d'entendre c'était quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Dernier appel. Je crois que je l'ai eu. Je sais plus, j'ai dû l'avoir en messagerie ou un truc comme ça. Quand je recevais un message. Ouais, de toute façon, j'ai eu plein de trucs. Hein. Ah, bah, au fil des années, c'est sûr. Pour ceux qui sont très. Qui sont jeunes, j'ai eu le Wiz Chewbacca, tu te souviens? Oui. Le problème qu'il y a eu, c'est que comme j'avais pas de casque et je mettais sur le son sortait de mes enceintes, bah il y avait l'enfoiré de Michel qui claquait des whiz la nuit ou au soir. tu rigoles, mais je m'en souviens. Oh, hein. Regarde l'avion à droite. Il y a un gros avion. Il y en a même plus. Ah oui, c'est l'aéroport. Tenez la droite, puis sortez à droite. On sort à droite. Attention, on sort à droite. Sortez à droite. On va à l'aéroport en fait. Et il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Si tu regardes bien, on rejoint l'aéroport. Attention, freine. Tournez à droite. Bah, il y a une voiture derrière ça. Ah d'accord.
J'ai juste freiné à elle, pas à moi. Bon, j'ai profité du feu, hein, qui était vert. J'ai oublié ma remorque. Je viens de voir ça. J'ai vu la fumée. Non, mais la voiture, elle s'est encore arrêtée en plein milieu. Oh putain. Non, vu les tuyaux qu'on peut contre les trucs qu'on transporte. Tournez à droite. Ah. On tourne à droite. Mais par contre, oui, tournez on va passer devant l'aéroport. Ah si. Non, on livre pas dedans, je pense. Oh putain. Je suis désolé pour ce que vous êtes en train de regarder, ça me fait exactement la même chose. Oh putain, j'ai une chute FPS de ouf là. Préparez-vous. Je suis en diaporama. Oh ! On tourne à gauche. Mais si, je crois qu'on est pas loin de l'aéroport, on était là. Hein. Oh putain, faut pas mettre de... Tournez à gauche. Eh si, il est là l'aéroport. Il est sur notre droite. Ouais, c'est ça. Faut pas écouter l'extérieur. Au début, j'entendais un petit bruit, tu sais, je me dis c'est quoi. J'ai mis... Ouais, c'est les réacteurs. C'est le réacteur. Ouais. Faut passer là. Tenez la droite, puis tournez à droite. Et enfin, on tourne à droite. Tournez à droite. Ouais, j'ai pris bien l'air, j'y ai personne, tu peux rouler sur la deuxième voie. J'allais me gêner. Et enfin, à droite. Allez tout droit. Ah merde, pourquoi me dit tout... Ah oui, c'est tout droit. Mais non, c'est tout droit, après ça tourne à l'intérieur. Préparez-vous à tourner ça à droite. Ça fait une genre de boucle. Oui, c'est ça. Tournez à droite. Voilà. Vous êtes arrivé. Et on livre à l'aéroport. Bah ils me disent que j'ai pas le choix. Enfin, si, je pouvais déposer tout droit, mais j'ai dit oser. Et on est arrivé pile poil. Ouais, t'as vu, il va être 4 heures en plus. C'est rare qu'on soit autant à l'heure. Ouais. Il faut le mentionner. Ça fait zizir. Voilà, j'ai sauvegardé. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut sauvegarder. Oh, ça va, pour 5500, ouais, ça va, j'ai quand même gagné de la thune aujourd'hui. Hein. Je suis allez, j'arrondis 270 000 dollars à une centaine de dollars près. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Par rapport à combien j'avais, 220, 230 000, je fais pas loin de 40 000. Ah, j'ai toujours pas le Crossing Wyoming. J'ai toujours pas le Wyoming, donc je peux toujours pas faire la mission du Wyoming. Ah bah non, mais elle est toujours là. Hein. Elle est toujours active. Ouais. Ouais, un moment, ouais. Sauvegarder, enregistrer, écraser. Voilà, bazarder. Ils vont la bazarder, je pense, pour eux, parce qu'il va y avoir le truc de... Ah bah non. Bah non, puisqu'on a fait le truc de Trustmaster et... Ah bah non, je pense qu'ils vont la laisser un bon moment. Bah, le temps que les gens ils prennent le DLC, je pense qu'ils laissent une marge. Ouais, bah, de toute façon, tant que Texas n'est pas sorti. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Nos aventures étaient follement. Bah, elles étaient follement. Ah oui, j'ai eu le... Maintenant que j'ai la lumière, je me dis, est-ce que je vais pas me racheter un nouveau camion ? J'ai eu le succès... Prenez le départ du circuit truck racing. Eh, je l'ai pas vu, c'est dégueulasse. Ah, je l'ai pas vu, moi. Bah, moi, je viens de le voir parce que là, j'ai fait alt-tab, hein, je suis...
Je suis sur mon Steam. Ah, il faudrait que je regarderai 5, alors, parce que je suis pas sûr, moi je l'ai pas vu passer. 5,6% des joueurs et joueuses ont débloqué ce succès. Pas beaucoup. Donc, j'ai fait découvrir à Michel le circuit. J'ai voulu lui faire découvrir un autre truc en même temps, mais on n'a pas eu la mission, donc peut-être prochainement. Et ouais, faudra que je fasse mettre voir pour retrouver. Pour trouver d'autres lieux insolites. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. À ciao les amis. On va acheter un Peter Bill.